Salut les amis, c'est Skawaka. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très courte sur iRacing. Donc, grosse nouveauté sur iRacing, un circuit qui vient de sortir, donc Mount Washington Auto Road. Donc, tout simplement, une grande nouveauté sur iRacing. On commence à voir un petit peu ce qui risque d'être proposé du coup par iRacing. Je vais vous le montrer tout de suite à l'écran. On va ne pas faire durer le suspense. Donc voilà, on est sur une course de côte. Alors, je pense que c'est très long puisque la course fait 12,23 km. Donc je ne pense pas aller au bout. Surtout que j'ai fait des tests juste avec la Subaru WRC. Juste pour tester un petit peu. Et c'est très 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 compliqué. Sans plus attendre, on va s'y mettre. Alors. J'ai pris la Ford Fiesta WRC pour faire quelque chose d'assez light. Et puis on va tester. Alors en plus ça c'est pas très pratique pour moi parce que l'écran, comme je vous ai dit, c'est le problème dès que j'ai un volant très grand. Bah, du coup je suis obligé de regarder à l'intérieur du volant pour voir l'écran parce que là en fait sinon mon œil se tombe vraiment là-dessus. Donc c'est assez compliqué pour voir la route. Mais bon, là comme on est juste sur un circuit de test. Et on est parti. Alors c'est plutôt bien retranscrit la route. Et vous voyez. Allez. Ça commence bien. D'éviter. Alors tout est bien retranscrit, vraiment les aspérités de la route sont bien retranscrits. Et ça a l'air d'être, donc là on a des des arbres, beaucoup d'arbres. L'objectif c'est de pas faire un chrono. Par contre je ne sais pas comment ça... qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils comptent en faire, est-ce qu'ils vont en faire. Comment on va faire, est-ce que ça va être du contre la montre. Ah. Il va pas garder le frein. Ouais. On essaye un petit peu, alors je veux dire de voir un peu tourner la tête, c'est pas très très pratique. On essaiera de remédier à ça à la rentrée en faisant d'autres changements sur le simulateur. Est-ce que je remets l'écran un peu plus haut pour t'améliorer à voir un peu plus, un peu mieux. Alors là je suis assez handicapé sans frein parce que le visage est un peu sec, comme vous pouvez voir à l'écran. J'ai pas réglé ça non plus. Alors si on cherche pas un chrono, on peut aussi le faire en descente. A priori, les deux sens sont faisables. On ressent à la manière un peu d'un dirt rally, on ressent toutes les aspérités de la route. Et je peux vous garantir que faire ça à pleine vitesse en connaissant parfaitement la voiture, ça doit être très physique, très 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 physique.
vais rapprocher le micro, voilà, comme ça au moins vous m'entendrez peut-être un peu mieux. Le décor est vachement bien fait, hein. Il y a quand même beaucoup d'objets à l'écran. Il y a des endroits où on peut vraiment prendre la confiance. Hein. Alors là, c'est vrai que c'est assez bizarre parce que en fait, on a vraiment l'impression que la route est très blanche, mais en fait, c'est le reflet du soleil. En fait, c'est la réverbération du soleil sur la route. Ça y est, là, on a quitté la forêt. On est donc dans la partie. J'ai tapé un. Olé. J'ai pas vu ça. Ce virage. Et là, c'est un. Ah non, on redescend un petit peu. Est-ce que je vais arriver en un seul morceau là-haut? C'est pas dit. J'ai mis l'enregistrement ou pas? J'espère. Là, vous voyez, on est sur la partie terre. Je ressens qu'il panne, mais on sent que ça glisse un peu. Aussi, grosse prise de confiance, Vincent. Là par contre il faut vraiment apprendre par cœur les virages. Enfin moi j'ai pas cette capacité d'apprendre par cœur autant de virages, autant de dénivelés. Surtout qu'on n'a pas de copilote, il n'y a rien qui nous dit. Il vaut mieux nous faire un pack speak, je pense, pour l'année prochaine. Package. Mais c'est assez sympa, hein. Au final, à faire en Subaru, c'est impossible, parce que là, en fait, la Subaru est beaucoup trop puissante pour ce type de course. Là, on est vraiment sur un paysage quasi linéaire. Ouais, c'est assez sympa. En fait, je parle pas beaucoup parce que je suis assez concentré sur la route. J'essaie d'aller jusqu'au bout puisque je pense qu'on arrive au bout. Et voilà, là, on y est arrivé. Le virage de fin est terrible. Ouais, vous allez pouvoir apprécier, du coup je vous ferai le ralenti, je vous ferai découvrir le ralenti. Bah écoutez, ouais, bon. Là, on voit le saut que j'ai fait. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt. C'est physique, très physique. On voit qu'ils ont quand même bien taffé sur le dénivelé quand même par rapport à un circuit classique. Hein, on est quand même sur une longue distance. Maintenant, faut voir quel va être l'apport vraiment. Je mets un peu un doute, un peu comment ça va se traduire
Comment ils vont faire? Je sais pas trop parce qu'en fait, à IRC, on tourne quand même sur des circuits, on est plusieurs sur le même circuit. Là, on peut pas être plusieurs, hein. C'est, je pense, du contre-la-montre alors à ce moment-là. Je sais pas, faut voir. Peut-être que ça va être effectivement du contre-la-montre par rapport à ça. Bah écoutez, on va se laisser parce qu'il faut que je regarde effectivement si j'ai bien tout lancé, tout est bon. Je sais pas si vous allez voir à l'écran. Ce que moi je vais voir, on va. Ah, ça va être mieux de se voir en plein écran. Bah écoutez, moi en tout cas ça m'a plu. La série, le circuit est plutôt pas mal à prendre, très compliqué. Maintenant il faut voir un peu quelle va en être l'utilité. Vraiment, j'ai un gros doute sur l'utilité sur iRacing. Est-ce que vraiment ils vont pouvoir développer ça avec du contre-la-montre? Pourquoi pas? Peut-être en trouver d'autres. Il va y avoir aussi, on l'a vu dans les prochaines builds. Peut-être plutôt fin d'année, voire début d'année prochaine, la pluie, enfin, qui a l'air très bien modélisée. Par contre, ça, je n'en doutais pas des équipes d'iRacing qu'ils puissent bien modéliser. Ils auront mis du temps, mais ça va être, à mon avis, très bien modélisé, avec des flaques d'eau, etc. En fonction du dénivelé de la piste, puisque les circuits sont laser scannés. Et puis, bah écoutez, je vous laisse profiter du replay. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!
Et en bonus pour mon ami Julien, l'enregistrement du coup avec la Subaru WRX, hein, donc un petit début de vidéo bien sympathique. Bah écoutez, je vous laisse en profiter. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal du tout. C'est assez. C'est assez. Faut rester concentré, par contre.